y est enfin. Bonjour et Minecraftien, ici c'est LB35 pour Minecraft vous est offert la saison 4. Et on est avec Spiritual pour ce premier épisode. On a un monument de la victoire. On aura plein de donjons à faire à partir d'un système command block créé par IGA Minecraft. Ce type est un génie. Et donc on est également sur une map terraformée gigantesque de 6000 par 6000 créée, je ne sais plus par qui, ce sera crédité dans la description. Mais c'est une map de 6000 par 6000 terraformée avec plein de biomes différents. La classe absolue. Et on a cet arbre. L'arbre gigantesque, pas l'arbre mojo, merci bien. Tarjoff ne devra normalement pas être là, parce qu'il est mort, vous vous souvenez, dans la saison précédente. Bon, ici on laisse tomber le RP, mais bon, on ne peut pas ressusciter les morts pour autant. Donc on va aller montrer un petit peu l'intérieur qu'on a commencé légèrement à aménager, mais tout reste encore à faire. On aura des petits stuffs de base pour creuser à l'intérieur rapidement et facilement. Le pack de textures qui est nouveau est le Pure Bedecraft. Spiritual fait dans le coin ici, il se promène, il se balade. Bonjour. On va commencer dans pas longtemps. J'aime regarder les paysages. Nous voici donc à l'intérieur. Oh. Je suis de retour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Je tiens pas. Genre t'es pas Tinjoff, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ces éclairs lumineux là? Je sais pas. Tu as complètement changé. Tu as complètement changé, t'as plus ou moins le même visage. Aïe! Le même visage mais avec une couleur d'yeux différente. Des vêtements parfaitement différents, une couleur de peau différente. J'ai surtout une chose à vous annoncer, j'ai un briquet. Putain mais t'es sérieux? Courez pour votre vie! Putain, mais fais gaffe, le feu ça se propage! Le feu ça brûle! Ouais mais je t'ai touché, je m'en fous. On est dans un arbre, putain de merde! Et tu es un seigneur du temps. Oh c'est dingue. Alors. Petite ellipse, par contre, je devrais revenir dans pas trop longtemps. Tinjoff est un seigneur du temps, c'est la nouvelle du jour, à tout de suite. Donc du coup, on n'est pas exactement le même staff, le seigneur du temps est de retour, et les Falavo, Démon3xien et Dovakinien non sont toujours là. On est au sommet de l'arbre. Bug. Casse-toi, waouh. Démon, tu calmes, je suis à 5, bande de cheaters. La meilleure vidéo ever. Meilleur épisode ever, oui. Je pense. Oh là là, cette série va commencer en beauté, c'est moi qui vous le dis. Cette introduction, cette reprise de vidéo, incroyable. Je vais être le dernier survivant. Et y'a... Mais pas en rêve. Ah non. C'est élevé en moi. Plus qu'un. Alors, si vous marchez sur et terre, comme je suis pas milieu, con. Non. Une pioche. Et du c'est pas grave, j'ai respawné tout en haut de l'arbre. Sur un des points les plus hauts. J'ai respawné sur un des points les plus hauts de l'arbre. Regarde ce qu'il y a. Aïe. Voilà donc. On se calme sinon je vais le fire du fire. Tiens. Ok. Bonjour. Calme-le. J'ai pas dit bonjour en fait donc. Ah oui bonjour. Démon3xien, ça faisait un bail qu'on avait pas vu. Falaval encore plus un bail. Dovakin un bail aussi. Ça faisait très longtemps que vous avez pas vu. On espère vous voir souvent pour cette série. Parce que franchement votre match apporte toujours le délire ultime. Et mettez-vous tous à l'entrée. Mettez-vous tous à l'entrée. Tinjoff, tu vas arrêter de nous donner des ordres à la fin. Oh là là. Une petite ellipse. Cette ellipse aura été inutile, c'est pas très grave. Donc. Bon, alors, je désespère. On commence. Je désespère. Aïe. J'ai encore spawné dans l'arbre. Est-ce qu'on joue à Minecraft? On joue à Minecraft dans pas longtemps. La map est absolument énorme. Je vous enverrai à l'occasion un lien de la map. C'est du 6000 par 6000. Oh, c'est tout petit. Oh, de quoi ça me dit. Un jeu où on est chaque fois sur l'arbre. Un jeu s'appelle Heaven Magic of Colors et elle est immense. On a installé 8 donjons dedans. J'ai pas cette place pour faire ma maison. C'est LB. C'est pas non plus un plage de calme. C'était censé être rare de respawn dans l'ordre. Toutes les morts là que je viens de faire à la suite, j'ai tout le temps respawn dans l'arbre. Écoutez, ce qu'on va faire, on va spawner ici. Donc ne bougez pas. Attends, ce que je vais faire. Mais bordel de merde. Oh, je veux respawn en bas. HTTP /CLB35 /spawnpoint. Ah, j'ai respawn voilà. En bas. Ça y est. J'ai respawn en bas. Stop. Il a eu la même idée que moi. Mais non. Putain, mais personne. HTTP Laissez-moi sortir. Yeah.
Y'a Spiritual qui est coincé. Y'a Spiritual qui est coincé. Tuez-le. Allez, sortez. Tuez-le. Allez, on se calme, l'épisode en est déjà au tiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le bois immédiatement. Pas sur cet arbre, que les choses soient claires, on ne creuse pas cet arbre-là. Ça c'est que moi, je pense qu'elle en a trouvé. Ouvrez-moi. Un petit but secondaire, mais qu'est-ce que vous foutez les mecs? Oh là là, Non. Oh là là, ça y est. Wow. Slash scoreboard teams. D'ailleurs, CLP, tu t'attendais à quoi en nous invitant tous sur une map là? Moi, j'ai essayé d'être tranquille. J'ai essayé de sortir Minecraft. Je récupère tout le stuff. Arrête de tuer tout le monde. Je suis invincible. Je suis invincible. On s'installe où on veut. J'ai plus qu'un cœur, mais à part ça. MC4, Spray on Fire. Paul, vous l'avez cherché, voilà. Liberté. Allez, essayez de vous battre maintenant. Vous battez. On va se battre français. Arrêtez de vous battre. Ouais, arrêtez de vous battre. Donc, allez, moi je suis le seul type utile à ce monde. Comme vous voyez, il y a des petits cochons, des vaches isolées dans le coin. Il y en a quasiment pas ailleurs sur la map, donc on a intérêt à faire des élevages. J'étais obligé de les summon dans un point et les spread ensuite. Pour ceux qui connaissent un petit peu les commandes, bon. Quoi? Qui a fait ça? Personne. Moi, c'était pareil, j'étais. Qui a fait ça? Tout le monde a été muté. Non, pas moi. Non, c'est juste moi qui ai moi, j'ai, avec... j'ai fait 3 kills au base air. Putain, mais. Putain, Joff. D'accord. Les commandes sont pas proscrites dans cette série, mais au bout d'un moment, faut se calmer, quoi. Bon, Donc, si vous entendez des petits airs d'accordéon, c'est indépendant de ma volonté, on peut pas rater une si belle occasion de tourner. Allez. Les mecs, moi je vais voir ailleurs si j'y suis. Si vous voulez couper du bois, je vous le rappelle une 7ème fois, mais bon, c'est important, ne coupez pas dans l'arbre principal. Parce que chacun des MC4 aura sa maison sur une branche de l'arbre principal. Et donc du coup, on va aménager moi, des chemins, tout ça. Moi je vais creuser une grotte. Les grottes c'est toujours. Donc vous pouvez faire une maison où vous voulez, mais vous aurez tous une cabane au moins là-haut. Non, moi, et vous n'êtes pas obligé de la faire vous-même. Je viens d'exploser. Et on a désactivé le. Le map griffing quand même parce que une map aussi belle ça aurait été scandaleux. Faut pas déconner. Aïe. Voilà. Okay, bon, moi je commence à y avoir quelques mobs. Moi je vais défoncer un arbre. Je sais pas si ça vous dérange. Non pas du tout. Et non. Là vu la taille des arbres sur cette map là, je pense qu'on aura du bois pour. Oui on aura quoi faire. Hein. On a fait une hache qui coupe tout instantanément. Aïe. Déjà. Une araignée. Oh, cheaté, j'ai un creeper qui me poursuit. Lâche-moi connard. Demain. Viens on se retrouve. Pas de time set. Pas de time set day. Hein. Okay. Attention. Eh mais si je fais un time set 0, c'est pas un time set day. Ta gueule, oh, connard. Là, ça voilà. Explose. Ça me fait laguer. Oui, quand c'est moi. Quand je casse trop de bois. Derrière. Et non mais ça va être impossible si on va pas tous au même endroit. Non. Rien que de générer l'île, le serveur il va crash. Hein. Un zombie. Il va falloir se calmer un petit peu. Rien que de générer l'île, le serveur il va crash. Comment ça va? Voilà. Faut le suivre. Allons-y. Bah, c'est une map de 6000 par 6000. Allons-y. Ah bah tiens. Je crois que Dovahkiin vient de citer malgré lui du Docteur Who. Vu que les quelques épisodes que je lui ai montré étaient avec le 9ème et pas le 10ème Docteur. Bon. L'expression on prend un massacre d'animaux. Je prends du mouton. Je pense qu'on saute. Ah au fait, je s'autorisera quelques mouton vous mettez dans le coffre de Joris pour les kebabs. Ah oh. Ouais non mais par contre faites un c'est vrai. Butez pas trop d'animaux et faites des élevages parce que comme je vous l'ai dit il y en a vraiment pas beaucoup sur la map. Enfin il y en a au centre mais pas ailleurs. Donc là je suis en train de défoncer du bois. Je coupe du bois. Ah oui non, bon je pense et si tout le monde se téléportait au même endroit pour qu'on soit au moins ensemble parce que sinon on va générer la map à l'infini. Faites comme vous voulez mais moi je suis obligé de couper mon bois. Non pas de TP. Ah ils font là les armes ok. Non pas de slash TP au bout d'un moment ça va bien. Et puis Tinjoff, c'est pas parce que t'es un seigneur du temps que tu es un dieu de l'espace. Bah si pourtant. Non. Ah oui Tinjoff s'est régénéré, c'est un seigneur du temps, tout ça voilà. Moi je mine de la. Moi je m'embête pas à couper du bois pour l'instant, vous le faites à ma place donc. Bon au pire c'est pas une question de s'embêter parce que là c'est juste du gros destroy, du massacrage du terrain, du futur terraforming à faire et. Du futur terraforming. La vitesse où ça coupe, ça devrait être bon. Oh ouais. Des chevaux. Donc là j'ai 5 stacks de bûches par exemple. J'ai. Alors je vous annonce, j'ai trouvé un œuf. Donc on. Est-ce qu'il est tout neuf? Non, par contre, j'en ai banni pour moins que ça. Ouais. Je défonce les racines. Voilà.
Ouais, on peut tout défoncer. Je rêve que c'est un cheval squelette. Ah non, c'est bon, c'est juste... Mouton. Non. Je pense que là, en défonçant un petit peu ce souffle, là, j'aurai assez de pouvoir pour plusieurs années. Bon. J'arrive. Promis mort. Alors par contre, j'ai juste intérêt à pas crever, parce que sinon, là, c'est un peu la loose, d'autant que ma barre de faim est vide. On peut pas péter les haches. Cool. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut éviter de les utiliser dans l'arbre. Parce que du coup, tu peux bousiller. Oh, j'ai un bébé poulet. Faut pas bousiller l'arbre, hein, surtout cet arbre est sacré. Ne tuez pas trop d'animaux, combien de fois je vous le dirai. Bah, moi je massacre c'est le premier tout, que je tue. Je massacre tout, SLB. Non mais putain, mais je vous ai dit 50 fois qu'il n'y en avait pas 50 000 sur la map. Je sais, mais je fais gaffe. Ah, t'en veux plus, t'es un câble. Je fais toujours gaffe à en garder au moins un ou deux. Tu crois que ça va être. Au pire, s'il n'y a plus de boutons pour faire, bah on fera avec. Ok, enfin, je vous annonce, le poulet cru avec mon pack de ressources steampunk, c'est une genre de caisse bizarre. Ah oui. Ok, alors là... Oui, fais gaffe, c'est pas du tout la logique dans ce pack. Hein. Non, mais là, c'est pas le problème de logique. C'est qu'en face de moi, il y a un zombie, je suis un bloc au-dessus de lui. C'est normal que l'arbre s'en fasse autant dans la terre. Et il me touche pas. C'est-à-dire que je suis en face de lui, il me regarde, il a une épée, mais il me touche pas. On appelle ça un lag dans le milieu. Regarde. Non, parce que... Non, rebouge pas, mais regarde jusqu'où il est. Là, il est encore profond, il y en a encore en dessous. Bah, allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on creuse un arbre jusqu'à ses racines. On va dans les profondeurs. Mais en coupant un arbre. Ouais, j'espère bien que ce n'est pas l'arbre avec un grand A. Je sais pas, allez, il y a plusieurs. Qui s'appelle d'ailleurs dans le jargon de la map l'arbre des tuiles. On est sur l'île des tuiles, là. On n'est pas sur le continent principal, on est sur une île. Le continent principal, d'ailleurs, quand on s'y baladera, on fera hyper gaffe à ce qu'on génère parce qu'il est tellement énorme qu'il faudrait éviter de trop se séparer. Ouais. On a réussi avec CLB à deux à faire crasher le serve. Hein. Ouais. Mais bon, on se baladait en game mode 3 à une vitesse folle aussi. Hein. On est en survival là. Hein. On est en survival, mais quand même, on est 5. Alors, j'avais prévu à la base dans cette petite table, ce petit dropper là, de faire des custom. Cependant, ça s'est avéré un petit peu compliqué, et puis j'avais la flemme, et puis ça aurait été un peu sous-exploité, je pense. Bon, là, je me balade avec plus de bouffe, du moins bientôt plus de bouffe, 3 coeurs et un demi. Ça fait un petit bail que j'ai plus de bouffe, moi. Et j'ai plus que 3 coeurs et un demi, et j'essaye de retourner à l'arbre. Allez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bois. Je vais mettre du bois comme ça dans le coffre central, voilà. Avec des tapis au-dessus. Attends, moi je vais t'en ramener un paquet, mon gars. Hein. Oui, on risque pas d'en manquer de bois là. Ah ouais, grave. Oui, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Merci pour vous. Merci d'avoir ramassé du bois pour moi. Non, moi je suis allé chercher un peu de bouffe pour moi aussi et des œufs aussi. Je me demande s'il y a moyen de faire une salle derrière la salle principale. Genre une sorte de salle. On pourrait installer des lits, tout ça. On pourrait carrément installer les lits dans la salle principale. On pourrait carrément installer les lits dans la salle principale. Ouais, je vais déjà en mettre un ici, je vais dormir dedans. Non! Tu sais pourquoi je massacre des animaux, c'est élevé parce que je sais qu'il y en a encore. Tu dis qu'il y en a pas beaucoup. Pour ce que j'en ai vu, il y en a quand même une sacrée quantité. On n'est pas prêt d'en manquer. On sait bien que tu as pété un câble. On l'a vu. Tu as pété un câble avec les spawns. Surtout avec les cochons. Oui. Surtout avec les cochons. Je vais commencer à creuser une mine, moi. Tug life. Ah, moi aussi. Allez. En espérant trouver une grotte. Alors, nous, on a pu voir vite fait un aperçu des grottes en game mode 3. Elles sont énormes. Elles sont immensissimes. Les minerais sont un peu plus rares que dans une map vanilla, mais les grottes sont d'une tellement grande grandeur que... Est-ce qu'il n'y a pas de manquer de cobalt dans ce cas-là? Alors, bon. Par contre, s'il a 1.9 sort en plein milieu de la série, on fait quoi? On la garde en 1.9 parce que Tug Life. Ou bien alors, on essaie de la passer en 1.9, ouais. On se doute qu'il n'y aura pas de soucis, mais... Et alors là, ça sera avec la baston. Là, par contre, on activera le PVP, par contre. Si on le fait en 1.9, faudra finir la série sur un under des familles avec les nouveaux under, les types. Et d'ailleurs, mine de rien, vous êtes d'accord sur ce point, l'under que j'ai fait pour l'épisode final de MVO3, il ressemble pas au nouvel under par hasard? Ouais, si, c'est vrai. Exactement le même concept. Ça m'a fait penser à ça quand j'avais vu la vidéo. J'ai dit putain, ils ont copié sur lui, les connards.
Va falloir vite trouver un moyen de cuire la bouffe par contre. Qui sait, t'as peut-être un des employés de Mojang qui est abonné à ta chaîne, c'est LV. Hein. Le pire, c'est que c'est possible. Ce serait swag. Non, c'est possible. Bah ouais, ce serait swag. Sans que tu le saches, c'est totalement possible. Hein. Je suis à la couche 57, je crois, depuis je sais pas combien de temps. Ah merde. Hop. Deuxième mort. Si je me souviens bien. Tiens, et si on faisait un concours. Oh, j'ai trouvé une grotte. Oh, ça tue. Et si on faisait un concours de mort, slash scoreboard, objective, add. Bah, c'est qu'il y a un concours, c'est qu'il y a, il y a déjà un objectif. Bah, je vais crever de faim, moi, donc. Ça. Alors, Spirit Wolf, attends, ne bouge pas. Bon, moi, je vais faire. Je vais commencer à trouver un endroit pour une petite maison. En fait, je suis un peu écrasé du haut d'un arbre, ça fait mal. Bah, bravo. J'ai envie vraiment de me faire une maison dans, la... dans l'arbre. Reviens à notre endroit. J'ai déjà trouvé la branche parfaite où me mettre. Bah, Suis-moi, Spirit. Tu me suis, hein. Et d'ailleurs, vous avez vu mon nouveau skin, Fallout et les deux Wakin? Non, j'ai vu le voir brièvement. Non, bah. Alors, donc, c'est pas la vallée des démons qui sont déjà morts une fois, c'est ça? Non, on les. Ah oui, une grotte. Moi, j'ai largement. J'ai plus que 3 gigos, c'est génial. Moi, j'en ai plus du tout, un Spirit. Donc, player 7, démon 3. Non, mais sinon, on commence à partir de maintenant. Pourquoi moi en premier? Parce que toi. Yeah. Et c'est pas Laval qui était mort une fois aussi. Oui, oui. La première fois. Moi je suis pas mort, mais là pour l'instant je suis bloqué avec pas de bouffe. Aplanis juste cette zone Spirit Wolf avec moi. Hein. Tiens, Falaval, viens, j'ai trouvé une grotte là. Ah oui, elles sont immenses ces grottes. Alors je ne sais pas d'où viennent ces objectifs. Oh, waouh. Oh, oh, oh. J'arrive. Je sais pas, peut-être que quelqu'un a essayé de faire une machine ici. Peut-être le créateur toi, de la map par exemple. Le créateur de la map. Mais bon, je vois pas trop comment il aurait. Franchement, on se demande qui c'est le créateur de la map. Ouais, t'as plané à ce niveau, Spirit, et on s'arrête là. T'as planéré peut-être plus s'il le faut pour moi, mais c'est pour l'instant, ça me suffit. Le petit souci, c'est qu'il y a des mobs et que j'ai pas de torche. Swag. Ah, mais pas d'armure non plus. Merde. Ah, par contre, aussi, les minerais, ils sont plus rares. Là, ça, je l'admets. Par contre, ils sont en plus grande quantité. c'est des sacrés filons, hein. Donc je vais prendre une table de craft. Tu peux passer la moitié de ton bois. En fait j'ai largué là-bas donc. Tiens Falaval, tu peux continuer s'il te plaît. Ok. Vers la gauche normalement. T'as des torches ou quoi? Ouais attends, je passe ça. Vers la gauche. Voilà. Ouais. J'essaie de te guider pour voir. J'ai envie de dire. Il faut ton bois Spirit. Ok. Tu me dis. Parce que sinon je vais rien pouvoir faire. Oui. Oh mon dieu, cette fosse de l'enfer. Tout droit dans comme je fais beaucoup de créa, je me rends compte à quel point c'est long de miner avec une pioche en pierre. Ouais. Pioche. Bon, alors là, vous allez rire, je suis en train de faire un escalier pour un truc que je n'avais pas fait de base dans l'escalier, ce qui aurait été plus intelligent. Bon le codette de porc cru, voilà, c'est ça m'a permis de trouver du charbon, c'est pas si mal que ça en fait. Ça t'arrange? Oups. Allez. Faudra trouver un moyen de se repérer par contre quand, si on fait des maisons vraiment éloignées. En fait, j'ai envie de dire une chose pour retrouver là, c'est pas difficile. Sur le petit îlot, c'est ça. Il y a la partie glacée, vous dirigez vers le centre de celle-ci et vous la retrouvez automatiquement. L'arbre il est tellement visible. Attention, l'île est presque circulaire en fait. Avec oui, c'est un ovale, centre. C'est un ovale l'île. Hein. Spirit, tu arrives avec la... Ouais, j'arrive. Je vais me dire avec un demi-gigot, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, je l'ai vu partir, mais je sais. Tu peux me donner... Tiens, hop. Stack. Tu peux... J'en ai un deuxième. Non, c'est bon, ça va me suffire. Hop. Minecraft, vous êtes de nouveau offert, et d'ailleurs, j'ai peut-être une proposition pour vous, les abonnés. Pour ceux qui regardent les vidéos suffisamment longtemps, peut-être pas jusqu'à la fin, mais suffisamment longtemps. Sachez que vous pouvez nous contacter n'importe où, sur Skype, sur YouTube, sur Twitter si vous voulez, n'importe quand, pour n'importe quoi. La seule chose, c'est que vous avez aussi la possibilité, oula, de vite. Cette manière, pourquoi de rejoindre la série, ne serait-ce que pour un petit épisode, comme ça, en compagnie de vos YouTubeurs favoris. Il ne fait pas du tout ça pour essayer de rendre la série un peu plus agréable aux viewers. Et non, surtout, c'est surtout pour la rendre interactive et pour qu'elle mérite son nom. Parce attention. Que, à la base, le concept de la saison 1, c'était faire des viewers. Celle de la saison 2, c'était la même chose, mais bon, plus ou moins laissé de côté parce que, au final, il n'y avait pas une communauté folle à l'époque. La saison 3 est partie complètement ailleurs, dans le côté RP. Pour la saison 4, j'aimerais bien que la série mérite son nom de Minecraft. Vous êtes offert. Hop. Là, pour l'instant, moi, je pense que je vais m'amuser à faire une industrie sur ce, sur,
à construire ma propre industrie de nourriture. Ouais, avec ouais, juste là, c'est moi qui vous fournirai la bouffe. C'est moi qui vous fournirai voilà, toute ça. La bouffe. Heureusement, on n'aura pas trop de difficultés. On partira pas de zéro au respawn parce qu'on aura toujours la hache du cheat qui c'est est indestructible. Ouais. Tout ça. On aura toujours la hache du cheat et. Si aussi. Et une pioche en pierre pour qu'on commence le minage si jamais on était paumé et tout ça. Les industries Tinjoff. Démon, c'est où es-tu? Non, c'est les industries Joris, merci bien. Ah, ah non, là il ouais, y a voilà. Les industries Tinjoff. Hein. Ah bah Joris est de retour d'ailleurs pour la série. Hein. Oui. Joris, ça sera le kebab. Moi, c'est la bouffe en général. Démon, il y a du vin. C'est pratique pour récupérer le mouton. Hein. Ça, c'est pratique pour récupérer sa table de farce. Voilà. Je l'avais plutôt bien vu celle-là. Oh je te vois qui te fonce dedans comme ça. Ah, il y a du lapis. Donc pour l'instant, pour le record de mort, c'est... Attention, j'ai un petit bout de... Voilà. Donc, tu en as pris un peu de bouffe, c'est bon. Bah, c'est pas quoi, ça me gêne pas. Hein. Okay, de toute façon, j'ai dit là-dedans. Que t'en essaies. Oh, la loose. Est-ce qu'on a fait quelque chose là-haut?